La scène du monde. L'art moderne, cubiste ou pas, la chasse aux textes rares, et semble-t-il pornographiques, pour les marchands de livres anciens, des spéculations boursières juteuses et l'Orient, étaient les passions de l'adolescent efflanqué, intarissable et fauché que Clara Goldschmidt avait épousé dans la précipitation, après une escapade romantique à Florence. Ils donneront ce prénom à leur fille unique. La littérature venait après, il n'était pas encore question de politique. Mais l'une et l'autre s'apprêtaient à entrer en scène, étapes inévitables d'un programme qui visait, en toute modestie, la conquête du monde. Malraux a beaucoup menti et fabulé dans sa vie comme dans son œuvre, mais il est toujours resté fidèle à la déclaration que, tout jeune, il avait faite à Clara. Il ne faut pas vous désespérer, je finirai bien par être Gabriele D'Annunzio. Pierre est un tempérament sensuel, taraudé de lancinante nostalgie sentimentale. Louis, un sentimental qui s'efforce de discipliner la sensualité pour ne pas succomber au chaos. André, un caractère résolument et obstinément viril.